Total Live. Une chanson d'amour, mais je rappelle au départ que cette chanson est une réinterprétation. Hein. Cette chanson n'est pas de Lauryn Hill, mais en tout cas une version de magnifique Lauryn Hill dont tout le monde attend encore justement le grand retour. C'est vrai, la pandémie est un problème, mais avant la pandémie, beaucoup de choses étaient annoncées au sujet justement de Lauryn Hill. Dès que j'aurai plus d'infos, je ne manquerai pas de vous en donner, même si nous savons qu'en passant, il y a quelques chansons qui sortent ici et là. J'évoquais donc en deuxième partie de cette émission la présence d'une invitée de poids et de choix, la grande sœur Am Takol, celle à qui on doit l'illustre Shekilo. Le retour avec le titre Kaba Kaba et une mission particulière justement pour le meilleur devenir des peuples du monde au travers de la caravane d'Afrique aujourd'hui qui est son ministère. Elle apporte une touche particulière à sa musique et à son engagement pour les sociétés du monde. Am Takol est notre invité. Bonjour Am Takol, merci d'avoir dit oui à l'invitation du Total Live sur Taxi FM. Bonjour Alain, bonjour les auditeurs, c'est un réel plaisir d'honorer cette invitation. Je vous remercie encore. Le monde connaît une pandémie critique due au virus Covid-19. Comment vivez-vous ces moments peu rassurants? Au Covid-19, l'épidémie causée par ce virus, ce vilain virus, comme je dis, crée une situation qui en effet, dans un premier temps, surprend. On a été tous dans un affolement et cette situation, personne n'est à l'abri. Malgré les gestes barrières et tout ce que les autorités ont mis en place, on a quand même vu qu'il y a eu toujours des contaminations, il y a eu toujours des morts. Quand la mort est arrivée, il n'a pas fait la différence entre qui est star, qui n'est pas star. J'ai une petite pensée pour Manu Dibango aussi qui est parti. Hein. Toutes les classes ont été touchées, le monde entier s'est arrêté. Alors, n'est-il pas l'occasion de se poser la question, au fait, de savoir qui gouverne en fin de compte ce monde, qui détient la clé de cette situation? Le vaccin est là et on se vaccine, mais cela n'enlève pas les gestes barrières. Rien n'est sûr, rien n'est certain. On continue de se protéger pour espérer enfin que le Créateur a le contrôle sur nous. De toute façon, moi personnellement, je me suis faite vacciner. Je ne suis pas au stade de la peur parce que, quelle que soit l'épreuve, le grand Dieu habite en moi par la présence de son Saint-Esprit, et ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité qu'il m'a donné, mais cela ne me donne pas non plus l'opportunité de ne pas respecter les gestes barrières et de ne pas me faire vacciner. Personnellement, je suis sous l'abri du Très-Haut. Dans les situations de tempête, comment on peut avoir une sérénité? Voilà mon secret. Artiste de pop de la musique togolaise, on vous doit assez de titres à l'instar de l'inclassable Shekilo. Comment est né d'ailleurs ce titre? Artiste de poids, seul Dieu est grand. Seul Dieu a un poids dans ma vie. Mais en même temps, ça fait plaisir lorsque la reconnaissance de son travail tombe. Shekilo, 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 sacré Shekilo. Shekilo m'est collé à la peau et j'ai pris conscience très tôt que tout le monde ne peut m'aimer et tout le monde ne peut m'apprécier à la fois. C'est là où je rejoins un petit peu, beaucoup d'ailleurs, Rita Mae Brown qui dit que tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est être toi-même. Certains t'aimeront pour qui tu es, la plupart t'aimeront pour les services que tu peux leur rendre. D'autres ne t'aimeront pas. Voilà, Shekilo, c'est ma consternation, c'est cette grande douleur ou cette grande douleur morale qui m'a accablée à un certain moment de ma vie, qui peut être d'actualité encore. Hein. On est des fois abasourdi devant des situations de critique, de jalousie. On reste stupéfait. Shekilo, c'est la consternation que j'ai eue à une époque de ma vie devant des personnes qui parfois ne connaissent même pas ta vie, mais qui raconte tellement d'histoires, les commères. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les bakpato, ou comme on peut dire en Haoussa, les Mnafrika. Voilà, ces genres de personnes qui s'occupent de la vie des autres, qui fouillent dans la vie des autres et généralement qui racontent des histoires à dormir debout qui ne sont pas réelles. Alors, dans cette situation, j'ai plutôt fait appel à l'inspiration par la grâce de Dieu et je me suis consolée dans Shekilo en disant qu'il y a des personnes sur cette terre, c'est à croire que c'est ma vie qui les intéresse, c'est mon problème qui les intéresse, mais
Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? C'est juste me confier à Dieu et laisser Dieu régler cette situation et que le Seigneur combatte pour moi parce que je me réfugie sous ses ailes. Voyez, Shekelo est sorti, je crois bien, en 90, 91, 90, j'étais au studio à 91, ce Shekelo est sorti. Voyez l'état d'esprit. À l'époque, déjà, je parlais déjà de Dieu parce que c'est en lui que j'ai mis ma confiance. Kaba Kaba Bléou Bléou est l'une de vos dernières sorties de l'heure. Quel est l'esprit à penser de ce titre? Kaba Kaba Bléou Bléou. Oui, j'ai chanté Kaba Kaba Bléou Bléou. Quel contraste, hein? Tu me diras. Comment vouloir quelque chose et son contraire à la fois? Hein? Comme me dit quelqu'un, mais elle dit Kaba Kaba, c'est aller vite, et un peu en même temps elle dit bléou bléou, mais que c'est pas normal, on comprend pas. Oui, alors je dis que on peut se hâter, mais doucement, c'est-à-dire se dépêcher, mais doucement. Tout dépend de ce que l'on veut faire ou tout dépend de ce que l'on va faire. Il y a des situations qui nous demandent d'aller vite dans le style action-réaction, voyez? Et d'autres situations nous imposent la sagesse. Prendre le temps de bien faire les choses. Qui est pressé de mourir? Qui est pressé, je ne sais pas moi. À moins qu'on ait la foi et qu'on ait la conscience que quand je meurs, je vais dans un endroit merveilleux, que mon roi m'attend. Mais en même temps, l'humain, de façon générale, quand quelque chose nous arrange ou nous excite, on met corps, âme et esprit, on se dépêche de le faire. Mais bon, quand on n'en a rien à faire de cette situation, on ralentit. Mais bref, dans cette chanson, j'ai vraiment observé le monde et j'ai dit la sagesse. La sagesse nous demande de prendre un peu de recul, un peu de temps. Par exemple, dans le cas de la colère, quand on est en colère, si on n'a pas cette patience d'attendre, de se donner le temps pour que la colère descende, ce que je vais dire, ce qui va sortir de ma bouche pendant que je suis énervé en colère ne sera pas pareil que ce qui va sortir de ma bouche lorsque je suis calme. Donc, soyons calmes devant les situations. Dans la tempête, soyons calmes. Et c'est calmement qu'on règle les choses. Voilà. Vous tranchez dans la chanson, vous décidez d'aller bléou bléou, tout doucement. Pourquoi cette option? Oui, donc dans cette chanson, j'ai tranché, j'ai posé la question. Mais en même temps, j'ai tranché pour moi. J'ai pas tranché pour tout le monde, mais je conseille en même temps que, parce que je suis convaincue que ma manière de trancher, ce que ça m'apporte moi, ça m'apporte plutôt la sérénité. J'ai simplement décidé de faire toute chose avec sagesse. Mais la sagesse, pas n'importe quelle sagesse, pas la sagesse de ce monde, avec la sagesse qui vient d'en haut. C'est d'ailleurs ce que je demande le plus souvent à mon créateur, la sagesse. Une caravane africaine est née grâce à vous et baptisée Caravane d'Afrique. Votre dernière édition s'est faite à Lomé, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, cette caravane porte dans ses entrailles une mission, sinon un ministère. Éclairez-nous, Amtakol. Quand on entend Caravane d'Afrique, cela sonne bien, n'est-ce pas? Ce nom m'est venu à l'esprit un beau matin, tout comme le contenu de Kaba Kaba Bléou Bléou. Je dirais donc qu'à la base, c'est un projet qui m'a été divinement soufflé. Mais à l'intérieur de ce projet, j'ai réalisé après plusieurs nombres d'années que ce projet comportait des axes qui ne peuvent plus fonctionner avec les orientations que le Créateur m'a donné en esprit. Alors aujourd'hui, cette caravane d'Afrique porte dans ses entrailles une mission. Oui, à vue d'œil, c'est aujourd'hui. Et moi-même, j'ai réalisé certaines choses à partir de la 7e édition, que en réalité, c'est une mission. Vous savez, depuis que j'ai mis la caravane d'Afrique en place, la plupart du temps, tous les concerts que je faisais, c'était pas pour m'enrichir. J'étais contente de voir des salles pleines. J'étais contente de voir les personnes venir se réjouir. J'étais contente de payer des artistes, des musiciens pour venir jouer et que moi je fais des entrées libres. Ça me procurait du bonheur de voir des gens se réjouir et ça me procurait du bonheur de dire voilà l'identité de la culture africaine. Alors que bon, aujourd'hui, je suis plus axée à chercher l'identité, mon identité dès la création, mon identité en Christ. Gloire soit rendue à Dieu de toutes ces révélations qu'il m'a données. Et oui,
Ça prend l'allure d'un ministère, sans pour autant, quand on dit ministère, les gens me voient tout de suite pasteur derrière un pupitre. Non, nous sommes appelés à différents ministères. Hein. Je considère que lorsque je vais voir les pauvres, lorsque je vais distribuer, je vais aider les pauvres, lorsque je vais avoir ce cœur-là, d'être toujours près des gens qui sont dans une situation où ils ont besoin d'un soulagement, que je puisse les apporter par la grâce. Lorsque je peux m'approcher d'un malade ou d'un sujet en souffrance, quand je vois le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il allait vers les pauvres, il allait vers il guérissait les malades, il avait compassion. Voilà. Donc je suis quelqu'un que Dieu m'a fait la grâce de savoir ce que c'est la compassion, de pouvoir penser à quand Dieu me fait grâce à ceux qui sont en souffrance, les pauvres, les veuves, les orphelins, je les salue au passage, j'en ai plein. Lorsque j'ai fini mon master en administration de projets culturels, quand le Seigneur m'a vraiment mis à cœur et m'a orienté d'aller finir cette musicothérapie, me disant j'ai besoin de toi en musicothérapie, voilà, et que j'ai dû mettre en suspens mon diplôme, hein, parce que c'est pas le diplôme qui fait le tout, c'est ton cœur est lié au cœur du Créateur qui te donne les directives à faire. Donc, comme moi, je dépends totalement de lui, je suis dans l'obéissance de ce ministère où, comme on l'appelle, d'avancer selon son rythme et son programme. À travers ce ministère, à quoi allez-vous vous atteler? Ouais, à travers ce ministère, à quoi m'atteler? Permettez-moi de citer ce passage de Jean 15 qui dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Et on peut voir un peu plus loin dans Jean 15 qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup, beaucoup de fruits. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Alors, quand je dis « mon père, notre père qui est aux cieux », donc j'ai le même père. Donc, si Jésus est le vrai sceptre et son père est le vigneron, c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Je ne peux pas me séparer de cet esprit-là. Donc, je vais plutôt totalement me laisser conduire, m'accrocher à Christ et de permettre que le Saint-Esprit prenne toute la place au-dedans de moi et que lui seul soit celui qui me conduit, celui qui me dirige. Je vais m'atteler à lui, je vais m'atteler à Christ par la présence de son Saint-Esprit. Et c'est ma prière de tous les jours, que Dieu continue à me donner cette grâce. Pour finir, un conseil à la jante féminine et à la jeunesse africaine, Amtakol. Moi, j'ai toujours, en tant que femme, j'ai toujours très tôt eu envie d'avoir mon autonomie, mon indépendance. Ceci n'a rien à voir avec l'égalité des sexes dont on parle. Moi, je ne rentre pas dans ça. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme et que chacun joue son rôle. Même si nous sommes instruites aujourd'hui que nous avons des postes, c'est que nous devons prendre conscience. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. Je reste femme. Je ne veux pas l'égalité entre qui que ce soit, mais je ne me laisse pas non plus écraser. Mais je pense que la femme, aujourd'hui, doit chercher davantage à être autonome. Dans ce monde où tout va vite, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est chercher à connaître vraiment le Créateur. La femme est appelée à porter des enfants ou bien un bébé. La femme est appelée à donner une éducation à ses enfants. La femme est appelée à bâtir sa maison. La Bible me dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme doit chercher la sagesse qui vient d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut, plus que toute chose. Soyons sages. La jeunesse. J'aime la jeunesse. Et je souffre un petit peu par moment pour cette jeunesse. J'ai l'impression par moment que la jeunesse est sacrifiée parce que je suis pas aussi vieille que ça. Je me souviens que moi, j'ai passé une jeunesse vraiment formidable. J'ai l'impression également qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport au travail. Mais si je promène mon regard un peu partout dans le monde, c'est qu'avec le confinement où la jeunesse...
les gens ne peuvent plus aller à l'école derrière les écrans, alors qu'il fut un temps, nous, en tant que parents, nous nous sommes battus pour que les enfants ne passent pas trop de temps sur le téléphone, à jouer des jeux. Mais aujourd'hui, hein, on revient dans ça. Les enfants sont à la maison. Que voulez-vous que les enfants fassent? Ils s'ennuient rapidement. Et entre les cours à distance, c'est une génération de technologie. Mais bon, je veux dire à la jeunesse, le travail libère l'homme. Quelles que soient les difficultés, on doit se battre pour se trouver une place. On doit se battre pour être autonome, indépendant. Aujourd'hui, je peux voir hein, des gens qui ont fait des grandes études qui se retrouvent à faire des taxis-motos. Pourquoi? Parce que la situation l'a demandé comme ça. Ben, il faut être courageux. Je leur souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et je prie vraiment que le ciel jette le regard sur la jeunesse. La parole me dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous atteindre. Et je prie que le Seigneur étende sa main et qu'il tire la jeunesse de drogue, de l'alcool et de la prostitution, de tout ce que l'on peut voir. Ça me fend le cœur de voir des petites filles de moins de 16 ans dans les rues à se prostituer. Vraiment, que Dieu nous aide. Mon mot de fin, je veux simplement vous remercier. Merci d'avoir pensé à moi. Et que mon Dieu se souvienne de vous. Que le Seigneur bénisse ses ouvriers, ses amis, ses filles un peu éparpillées dans le monde. Monde et que la sagesse divine nous accompagne. Merci. Total. Hey, oh, oh, oh. Les mains en cabane, alors les mains en blé, les mains en cabane, alors les mains en blé. Des mains en cava cava, allô des mains semblées oublées oublées. Des mains en cava cava, allô des mains semblées oublées. Nyame nyame cava cava nyonyo, bon mais nyame blé oublé oublanyo. Comme un sol aimé, des mains semblées oublées, allô cava. Nyame nyame cava cava nyonyo. Vomenye hobe ble ou ble ou hanyo. Kama soleme de mazan ble ou alo kaba. Me dibe mazan ka mazan li, mazan ble ou li, mazan ble ou li. A ka mazan li, ne ma yi fia la bo. Me dibe mazan li, ma yi fia la bo. Tikidi mano meu, goyi mano meu, ye mai fiara go. Tikidi mano meu, goyi mano meu, tikidi mano meu, ye mai fiara go. Perika mai fiara go. Tikidi mano. Go ye man on me, Dickie man on me, ye mia ye, tia la ba, mia zo kaba, mia zo bleu, ne mia ye, tia la ba ma, mia ma zo bleu, 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 ye ma ye pe glola chi. Tanya ma flo sinui
Be ma ye fe plon la ti Ma zon zon li ble ou ble ou Chi 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 ma no e me o Zigi di ma no me o Ye ma yi fia la gbe Zonzon li ble ou Danye a me dibe manyak kama e Ma zon e pa zon li la Ble ou ble ou ble ou ble ou Ma yi e pek lo la ti Ble ou ble ou ble ou ble ou Ma yi e pek lo la ti Kaba kaba lo ble ou ble ou Ma yi e pek lo la ti Mazo kaba alo mazo ble ou E ma ye pe klo la ti Dale ki ke mi a Di chi chi ma no e chi o Non vi mi vo ble ou Nya yi ti a la gbe Kaba Kaba, bleu bleu, c'était donc la voix de Amtakol. Vous en avez appris en tout cas au cours de cette interview assez de choses, plus besoin de revenir là-dessus. Merci pour votre fidélité d'écoute, on boucle Total Live du jour avec un titre aussi qui est évocateur. Le temps, Taïk, manquez pas justement Bande de Touche tout à l'heure à 18h avec le grand frère Tony D. 18h45, c'est l'information avec l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien, à lundi. Amour et paix à tous. Total Live.